Coucou mes amis. Donc en fait aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui me tenait à cœur. Cette vidéo parle des frontières. Donc là je suis sur le pont, le nouveau pont qui emmène le tram de France en Allemagne et vice versa. Le voilà. Regardez. Voilà ce pont. Voilà. Et là où je vous parle, je suis exactement au milieu. Voilà. Donc là, je suis en France. Et là, je suis en Allemagne. À part ce petit bout de ferraille qui est là, est-ce que vous voyez des frontières entre ces deux pays? Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de douane, personne ne me demande mon passeport. Je peux aller et revenir comme je le veux. Alors qu'entre ces deux pays, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Là, je suis sur le Rhin, là. Combien de morts il y avait? Hitler, il a jeté combien de corps ici? Et ces deux pays ont outrepassé ces problèmes historiques pour avoir une entente politique. Alors que Hna, Fibledna, quand je dis Fibledna, je parle de l'Algérie et de la Maroc parce que je suis les deux. Il y a un mur complet entre ces deux pays qui ont la même langue, les mêmes traditions, la même religion. Si un peu souhaite-t-il, ils pratiquent cette religion correctement. C'est pas de la folie? Non mais, franchement. Il n'y a rien entre l'Allemagne et la France. Ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas de religion commune. Christianisme, c'est quoi? La plupart des gens sont athées. Et il n'y a pas de frontière. Vous voyez un policier quelque part? Il n'y a rien. Il n'y a rien. La confiance, ça s'appelle la confiance. Ouhna, entre l'Algérie et le Maroc, il y a un mur complet. Vous ne croyez pas que les gens ne souffrent pas? Un an par exemple, je suis moitié marocaine, moitié algérienne. Quand je dis moitié-moitié, les gens ils disent non, faut choisir sa religion, faut choisir son pays, faut choisir sa nationalité, cette identité. Non mon frère, je suis moitié algérienne, moitié marocaine. Et je souffre de voir que ma mère ne peut pas partir au Maroc quand elle le veut ou que ma famille ne peut pas venir comme ils le veulent. Eh ben Allah, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maghrébine ou jazaïrie? Je suis d'abord quand je parle avec vous maghrébine. Jazaïrie. ودوكا رايحه نهضر معاكم الجيريان راكم تفرقوا في الهضره خلاص كيف كيف لغه وحده دين واحد فيقوا لعماركم الصهيون يديروا في المشاكل ما في بلدان العرب وانتم ماشيين معاهم لاميريك اي ان تران ميتر لا زيزاني بارتو دون تو لي بيي مسلمان بوركوا باسكو ني دي كون فوالا بوركوا لي اوروبيان ils ont compris ils ont ouvert les frontières. Tu te rends compte hier ce que j'ai écouté? J'ai entendu dire que pour les Marocains, ils doivent avoir un visa pour aller en Tunisie. Non mais on est où? L'Algérie a fermé les frontières entre elle et le Maroc il y a 24 ans. Et maintenant entre elle et la Mauritanie. Mais on est où? Donc, peuple musulman, réveillez-vous et soyez pas cons. Le peuple marocain et algérien, halou l'houdoud, aïbadallah. Entendez-vous, faites des accords. Tout le monde est drôle. الجزائر فيها الإرهاب، المغرب فيه لا دروغ، فيقول عمركم، يلا تشاو.